Hello, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est lundi matin à 7h, les 10 du matin, je vais réveiller tout le monde. J'espère que vos vacances se sont bien passées, que tout va bien chez vous et que la rentrée va très très bien se passer. Nous, c'est aujourd'hui. Voilà, on va bientôt réveiller, je vais bientôt réveiller tout le monde. Je me suis mis en petit t-shirt et en legging. J'ai chaud déjà. Il fait 11 degrés, donc ce qui m'annonce dehors, mais ici il en fait 22,5. Donc voilà. Du coup, les vlogs reprennent. Vous avez été nombreux à les demander, à les réclamer. Ils sont de retour. Donc voilà, je recommence à vlogger. Je suis désolée. On était vraiment submergés pendant ces vacances. On a eu énormément de rendez-vous. Et puis voilà, puis on n'a pas fait grand-chose d'autre qu'à des rendez-vous. Donc c'est pas super intéressant. J'aurais dû couper le vlog 2 ou 3 fois, puis on revenait tard. Enfin, du coup, j'ai préféré vous mettre des petites vidéos comme ça. Puis on a fait Halloween aussi, donc voilà. Du coup, je réveille tout le monde et moi je vous reprends après. Ça y est, les enfants sont retournés à l'école. Écoutez. J'aime ça. Ça faisait longtemps. Ah ouais. C'est magique. C'est magique. Donc voilà, du coup j'espère que vous allez bien. Vous les avez réclamés, vous les avez demandés. Vous êtes venus me trouver, même en privé, sur mes réseaux sociaux pour savoir quand est-ce que les vlogs recommençaient. Ben ça y est, voilà. On est désolé, on est désolé, on est désolé de vous avoir laissé tomber lâchement comme ça. Mais déjà il y a 15 jours, on n'est pas habitué, c'est la première fois de notre vie, et je le dis de notre vie, hein, parce que même nous quand on était enfant, on n'avait pas 15 jours de vacances à tout ça. Donc c'était des vacances très très longues. Deuxièmement, j'ai 5 enfants. Et papa il fait... J'ai 5 enfants, dont Angelina qui est, comme vous le savez, baby, on va dire, hein. Très très baby. Donc voilà, c'est un bébé aux besoins intensifs. Donc voilà, en fait, non, mais elle s'ennuie tout le temps, en fait, elle s'ennuie tout le temps. Il lui faut d'activité au quotidien. Et puis nous, en Belgique, c'est la Toussaint, donc voilà. Donc du coup, on a fait beaucoup de choses ces vacances-ci. Voilà, on avait des rendez-vous médicaux. Alors, tous les jours, j'ai eu 2 fois la kiné, 3 fois, 4 fois. J'ai eu 4 rendez-vous kiné. Le grand barbu a eu un rendez-vous IRM. J'ai eu un rendez-vous à l'hôpital pour Angelina. Donc voilà. Et puis j'ai eu un autre rendez-vous. Et puis ensuite, j'ai dû ressonner au médecin pour faire les vaccins d'Alessandro parce qu'on est en retard. Il a fait la varicelle et puis on a eu le Covid. Donc on avait su lui faire son vaccin des 12 et des 15 mois. Donc comme il a 15 mois, le médecin lui fait ce soir les 2. Ensuite, j'ai refait un test urinaire. J'aurai normalement la réponse... parce qu'on me l'a demandé, mais je devrais avoir normalement la réponse ce soir. On a fait le vaccin du petit, je suppose qu'il aura reçu peut-être les résultats, pour voir si je dois repartir sur un antibiotique ou pas, parce que j'avais encore quelques petites sensations ce week-end qui revenaient. Donc voilà, on a fait Halloween, comme vous l'avez vu sur la vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'étais avec ma maman sur la tombe de ma grand-mère, donc voilà, on a beaucoup... On n'a fait que courir, mais il faut savoir que nous, rien que, par exemple, je sais pas moi, aller au magasin, c'est devoir gérer 5 enfants. Alors, ou bien on les met chez maman, ou bien on doit rester ici tout seul, mais on doit téléphoner régulièrement pour voir si tout va bien. Donc voilà, aller à l'hôpital avec Angie, c'est déplacer 5 enfants, habiller 5 enfants, les mettre chez maman, le sac à langer, tout ce qu'il faut pour nourrir le petit, partir à l'hôpital, revenir, sachant que pour aller à l'hôpital d'Angie, c'est un hôpital de campagne. Enfin, c'est un très bon hôpital, mais je veux dire, il est mis en campagne, parce que c'est eux qui reçoivent les gros hélicoptères pour les polytraumas et tout ça, puisque c'est un hôpital qui gère les personnes porteuses d'handicap, de gros accidents, etc. Donc, ils ont besoin d'un héliporté, là, d'une petite truc, là. Enfin, d'une petite, non, elle prend les 3/4 des trucs. Mais donc, voilà, c'est un des seuls avec Liège, à mon avis, je pense, qui reçoit les machins, là. Et donc, du coup, elle est dans la campagne. Donc, c'est pas un hôpital de campagne, genre, c'est un hôpital merdique, c'est un très très bon hôpital, mais il est perdu en campagne. Donc, pour y aller, il faut 1 heure. Donc imaginez-vous, je dois habiller tout le monde, mettre tout le monde chez la mamie, remettre Angie dans la voiture, faire 1 heure de route, trouver une place sur le parking, transporter Angie jusqu'au premier étage de l'hôpital. Heureusement c'est au premier, il n'y a que 2 étages en fait. J'ai jamais regardé dans la truc, mais je pense pas que quand tu arrives au 2e, tu dois être bloqué. Ouais, non, je sais pas. Il n'y a pas 6 étages, hein. Je pense qu'il n'y a que 2 étages parce qu'il est fort long. Et Et puis ensuite, faire la visite. Et puis ensuite, retourner chez mamie. Renouveau une heure. Donc, nous, un rendez-vous avec 5 enfants, c'est... Voilà. Ils ont refait leur plumier. Voilà. Ça, c'est la real life. Mais moi, ma maison, elle n'est pas toute blanche, toute brillante. C'est pas... Non. C'est pas possible. Donc, voilà. Donc, ils ont refait le truc. Moi, je sais pas ce que j'ai derrière moi. J'ai une écharpe. Enfin, voilà. Donc, du coup, au programme de ce jour, ben on court encore comme d'habitude. J'ai kiné, ça va beaucoup mieux, je vous tiens, j'ai une légère gêne, mais ça va beaucoup mieux. Au bout de, il me reste 2 séances, aujourd'hui et demain. Et puis je sais pas si elle va prolonger ou pas. Mais en tout cas, ça, là maintenant, depuis la semaine dernière, j'ai encore eu très mal début de semaine dernière. Et puis après avoir fait les 2 séances la semaine dernière, j'ai commencé à ressentir du bénéfice, vraiment. Mais donc il a fallu quasiment 6 séances de kiné de 40 minutes pour arriver à avoir une amplitude qui redevient normale, mais pas encore à fond. Donc je sais pas si elle va rajouter encore des séances après. Elle m'a demandé si ça me faisait du bien, j'ai dit que là ça commençait. Donc peut-être qu'elle va rajouter des séances, je sais pas. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai kiné. On doit aller faire quelques courses parce qu'il nous manque des bouteilles d'eau pour l'école, des bouteilles de jus, des prolassis. Et puis c'est tout aujourd'hui. Par contre, demain, le grand Marc vient de nouveau à rendez-vous. Un médecin du travail. Donc voilà. Et moi j'ai plus de rendez-vous. Eh oui, au soir, aujourd'hui on a le vaccin qui à 17h me semble bon. C'est juste en face de la maison, c'est avec le doc. Ça, c'est pas vraiment... Enfin, on compte pas ça comme un rendez-vous. Mais c'est quand même un rendez-vous. Mais je veux dire, c'est notre médecin traitant, donc c'est pas ultimement grave. Et puis la semaine, j'ai encore un rendez-vous mardi et le chéri aussi. Et puis après, c'est fini. T'as rendez-vous mardi. Oui, mais cette semaine-ci. Cette semaine-ci, c'est fini. Voilà. Je pense que la semaine prochaine, je couperai les vlogs très tôt, à 17h. C'est mon fils. Je vous reprends, c'était mon fils. Donc voilà. Du coup, je vous disais que j'allais couper les vlogs plutôt la semaine prochaine parce que je dois garder quelqu'un. Donc je ne filme pas quand il y a des gens chez moi. Donc c'est pas mon enfant, je filme pas. Donc voilà. Donc je couperai les vlogs avant 17h, à pas avant 17h, et je vous mettrai quand même la petite photo du souper. Mais je devrais couper un peu plus tôt, pendant 3 jours ou 4 jours, je ne saurais pas dire. Je sais pas, c'est la voisine qui nous a demandé, mais je ne saurais pas dire. Donc voilà, voilà. Du coup, on a ça au programme aujourd'hui, mais cette semaine c'est un peu plus calme. Ça tombe bien parce que vous verriez l'état du sol. Mais c'est dingue, c'est le yayo. Attention, il bug. Alors, je vous explique, c'est lui qui a répondu à la porte, parce que j'étais en train de faire à manger, c'était cette semaine, j'étais en train de faire à manger, ça a sonné à la porte. 7h14, et les petits, en fait, ont regardé par la fenêtre, et m'ont dit, oh, c'est la voisine, ouais. Donc du coup, j'ai laissé aller répondre, comme c'était ma voisine, et c'est donc chérie qui est allée répondre. Et tu m'as posé la question 2 jours après que j'ai dormi. Et lui, il me dit, non, c'est cette semaine. Ouais. Donc c'est peut-être cette semaine, donc enfin, je vous tiendrai au courant, mais on doit garder la petite... à peu près 2 heures, c'est ça? Ouais. Parce qu'elle fait des cours pour conduire. Donc voilà, du coup, il faut qu'on garde la louloute. Elle a 3 ans, je pense. Je crois que c'est cette semaine. Je pense qu'elle a 3 ans ou 4 ans. Elle est en maternelle dans l'école de mes enfants, et je ne sais pas. 7 ou 14. J'ai en tête 7 ou 14. 7 ou 14, on verra. De toute façon, je veux dire, on ne bouge pas de la maison, donc elle sonne à la porte, elle dépose la petite, et puis c'est tout. Hein, voilà. On verra, je ferai à manger. Si la petite l'autre, elle veut manger un petit bout, elle mange un petit bout. Si elle ne veut pas manger, elle ne mange pas. Elle mangera que sa maman en retour, c'est tout. Donc voilà, et puis assez de jeux. Il y a la TV, il y a les dessins animés. Ouais. Il y a de quoi l'occuper pendant les cours de sa maman. Mais c'est pas longtemps, c'est 4 jours. Ouais. C'est 4 jours, de 17 à 19h. Voilà. Parce que les garderies après l'école, c'est jusqu'à 18h30. Et là, les cours que sa maman prend pour apprendre à conduire, c'est jusqu'à 19h. Donc voilà, voilà. Quand on s'y rend service, on rend service. Par exemple, moi, elle m'a déjà pris mes colis. Quand j'étais pas là, ça arrive qu'elle me prenne mes colis. Ouais. Donc voilà, de l'autre côté aussi. Parfois, c'est nous qui prenons les colis. Ouais. On se rend service. Donc voilà, du coup, on va faire du ménage. Il faut que j'achète une nappe. C'est plus possible. Ouais. La trouée de partout. Donc voilà, je vais aller faire quelques cours, je dois faire du ménage. Alessandro fait toujours dodo pour l'instant, ouais. Il est calme. Il est calme, il s'endormit tardivement. Il s'endort tardivement, mais il se lève tardivement, du coup. Ce qui me permet, moi, le matin, de pouvoir préparer les grands, de pouvoir déjeuner, etc., tranquillement. Et voilà, voilà. Sinon, rien de spécial. Je vous dis, c'était voilà, c'était compliqué. C'était des vacances, on a beaucoup couru. Beaucoup m'ont demandé si mes problèmes familiaux s'arrangeaient. Oui, 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 ça s'arrange. Et puis, ça s'arrange. Oui, c'est bien. Ça s'arrange. Ça s'arrange. Et voilà, rien de plus, rien de moins. J'aurais bien voulu commander sur AliExpress parce que j'avais 2-3 suites à commander. Parce que les miens, il est beau, hein, tout le monde me le dit qu'il est beau, mais il commence à... Et Donald, il commence à perdre sa fraîcheur. Hein. Vous le voyez peut-être pas beaucoup, mais on voit qu'il y a des petits scrabucci. Et donc voilà, j'aimerais bien m'acheter 2 ou 3 sweatshirts pour compléter ma collection. Faut que je fasse ça aussi, faut que je commente ça. Je me demande si je vais pas faire une cure de vitamines aussi, parce que je suis fatiguée. Fatiguée, fatiguée. Il fait gris tout le temps, en fait. C'est l'horreur. Aujourd'hui, il fait... Enfin, hier, il faisait gris, aujourd'hui, il fait gris. Mais le problème, c'est qu'il fait gris. Et nous, on habite dans une rue où il fait gris. Donc, quand vous regardez dehors, ben, vous voyez un mur gris. C'est très agréable, d'ailleurs. Donc, c'est un peu limite. Il fait fort, fort gris. C'est désagréable. Ou sinon, les enfants vont bien. Tout le monde va bien. Parce qu'on m'a dit, j'espère que c'est pas les enfants. Non, c'est pas les enfants. Il n'y a pas de souci avec les enfants. Ils vont super bien, ils sont en pleine forme. Angelina... oui, on a parlé un peu d'Angelina. Ben, elle va faire des injections comme c'était prévu. La décision est toujours la même. Sauf qu'il nous a expliqué qu'il faisait des injections dans les muscles du mollet et un peu dans les cuisses. C'est lui qui va gérer. Alors, il m'a dit qu'on l'endormait complètement, mais on ne l'intube pas. Voilà. Par contre, je ne peux pas rester, ni papa ni moi, ne pouvons rester dans la salle pendant l'opération. Enfin, c'est pas vraiment une opération, mais disons que comme ils injectent dans des muscles, je suppose qu'il faut pas de bactéries, il faut rien du tout. Et puis je pense que ça doit pas être super jojo de voir votre petite fille endormie déjà, et en plus de voir comment est-ce qu'ils pratiquent, ça ne nous regarde pas. Donc ils ne veulent pas qu'on reste, mais papa pourrait rester, parce que moi je l'ai fait l'autre fois, donc c'est papa qui va le faire cette fois-ci. Mais papa pourrait rester, oui, pourrait rester avec Angie jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Donc voilà. Mais par contre, ils m'ont dit que ça durait un quart d'heure, 20 minutes, mais pour les REM, ils avaient intubé, parce que personne ne s'est allé avec, dans la machine évidemment, que ici, ils vont l'oxygène au ballon, l'anesthésiste va l'oxygène au ballon, comme ça, elle ne doit pas être intubée. Et on la retrouvera normalement une demi-heure, 3 quarts d'heure après dans la salle de réveil. Et puis dès qu'elle aura mangé et bu un petit coup et que tout ira bien, ben le doc donnera l'autorisation de sortir. Par contre, c'est un truc qu'on doit faire tous les 6 mois. J'en ai parlé avec ma kiné et elle me dit que ben, pendant 3, 4, 5 mois, on voit, puis ça commence à descendre. Et c'est là qu'il faut reprendre la décision de refaire une injection ou pas en fait. Et donc cette injection va permettre aux muscles qui pousse comme ça, d'être un peu moins fort et d'être endormi en fait, pour que le muscle puisse relever le pied et qu'elle puisse avoir le pied à plat. Voilà. Parce que ce qui lui pose le problème pour la marche, c'est le fait que c'est comme ça. Mais ce qu'ils disaient aussi, c'est qu'eux, ils font du fonctionnel, donc ils vont aller contre un cerveau en fait. C'est-à-dire le cerveau d'Angie étant touché à la myéline, dit aux muscles tant, mais eux, ils vont aller contre le cerveau en détendant un peu le pied. Donc voilà. Et ça, on pourra le faire tous les 6 mois si on voit qu'il y a un gain, évidemment. Et voilà, mais en tout cas, jusqu'à 15-16 ans, on ne sait rien faire d'autre que ça et de la kiné. Après, il y aura d'autres décisions qu'on peut prendre, mais pour l'instant, tant qu'elle n'a pas grandi et qu'elle n'ait pas son statut de... sa taille d'adulte, c'est-à-dire vers 15-16 ans, on ne peut pas faire autre chose, quoi. Après, oui, il y a d'autres possibilités. Mais pour l'instant, on va déjà commencer là-dessus. Donc voilà, voilà. Et Alessandro, ben Alessandro il devrait commencer à marcher, mais le problème c'est que dès qu'il se lâche, il a peur, on dirait. Je sais pas. Et puis il se rend compte qu'il est lâché et il se remet en 4 pattes. Alors est-ce que c'est parce qu'il voit sa soeur qui fait du 4 pattes et il suit sa soeur à 4 pattes, ça va plus vite? Ou est-ce que c'est parce qu'il n'est pas encore assez sûr sur ses jambes et qu'il ne veut pas démarrer? Mais sinon, quand il est dans son lit, il part partout, il se lâche, il va de l'autre côté et tout. Mais non, il veut pas, il marche, mais en se tenant à tout. Donc c'est déjà pas mal. Et pour le moment, nous sommes au papa, maman et petit. Ne me demandez pas, petit. Et bébé. Parce qu'on lui dit bébé. Alors du coup, ici, bébé, il s'en va. Oui, il est au-dessus. Donc voilà, il s'en va, bébé, bébé. Puis je lui dis, qu'est-ce qu'il a, bébé? Petit. Petit, petit qui s'en va. Petit. Donc voilà. Et la fin de rire, il a fait rire même le médecin en fait. J'étais au téléphone avec le doc pour ce vaccin, puis il me dit, le petit commence à hurler. Il me dit, écoute, je te laisse t'occuper du petit, viens à 15 h, on regardera. Je dis, ça va, ok. Puis quand j'arrive à 15 h, le doc me dit, qu'est-ce qu'il avait? J'ai rencontré le lapin. Pourtant, vous savez que Colosso, il est super gentil et tout. Mais Valentino n'avait pas refermé la cage de Colosso. Donc d'habitude, il va tout près de la cage de Colosso et il regarde Colosso à travers les barreaux. Mais là, en fait, ils avaient laissé la cage ouverte. Donc Colosso, en fait, quand il voit passer quelqu'un dans sa cage, mais évidemment, lui, il sort pour avoir de la bouffe. Et le petit s'est retrouvé face à face avec la grosse tronche de Colosso. Donc il a commencé à hurler, Colosso qui le regardait l'air de dire. Mais qu'est-ce que c'est ça? Parce que lui, il comprend pas. Parce que tu cries comme ça. Donc voilà, le docteur, il s'est au téléphone avec. Et donc, du coup, il me dit, bah, pour toi, il est gentil. Bah, je dis, oui, il n'a pas mordu, mais il est juste qu'il a peur. Il a peur du lapin. Mais quand il est avec Valentino, il n'a pas peur. Mais quand il est sans Valentino, il hurle. Donc voilà, pour les nouvelles. Rien de plus, rien de moins. Il s'est rien passé d'autre. Voilà. Je pense qu'on a tout raconté. Donc voilà. On a mangé quoi? On a mangé de la tartiflette et chez ma maman. Et samedi, on a mangé des champignons. Mon but est content. Il en a remangé hier d'ailleurs. Parce qu'en fait, j'aime pas les champignons, donc j'en fais jamais. Je déteste les champignons. Et donc, du coup, on a mangé des champignons avec de la carbonate flamande. Bon, moi, elle fait des trucs, mais moi, je suis horreur. Les carbonates flamandes, tout ça, moi, je sais pas. Je fais une quiche pour tout ça. Une quiche. Hein, mais j'avoue. Tout ce qui est plat en sauce et tout ça, moi je suis un peu quiche. Enfin, j'ai jamais essayé. Ma maman m'a donné la recette, mais j'y arrive pas. Moi je trouve que je suis nulle. En même temps, maman elle fait ça dans un gros wok, oui. Et elle met de la bière sans alcool. Et il faut qu'on nettoie, qu'on range un coup la maison. Parce que là c'est le bordel total. Pendant les 15 jours, on n'a fait que partir. Les enfants étaient là. Je vous raconte pas. C'est l'horreur. On a maintenu, hein, je veux dire, il ne fait pas non plus horrible, hein, mais on a passé aspirateur, ça. On a passé aspirateur 2 fois par jour, hein, minimum. ça a été minimum, faire tourner les machines, replier du linge, ça se faisait, hein, les WC, etc. Mais grosso modo, il va falloir faire un gros lavement au niveau du sol. Non, je vous reprends au moment de rangement. Voilà, je fais passer les poussières partout ici. J'ai déjà fait un gros rangement, hein, la table qui était là, ici. La table de la salle à manger, on passe de pas être trop mal. Et voilà, on va mettre des papiers aussi. On enlève tout ça. Je suis en train de boire un petit jus parce que j'ai plus de jus d'orange. Donc j'ai fait les courses. Vous voyez, j'ai fait des papiers ici. On a des papiers partout. Donc pour le moment, c'est un peu la folie. Donc voilà. Bon, je vais ranger les médicaments parce que ce matin, j'ai pris mes médicaments. Donc voilà. J'ai fait également les poussières sur mon bureau. J'ai fait les poussières à dans le salon, j'ai fait la table en verre, etc. Le petit loup le réveille, il a bu son biberon. Je viens de prendre mon trouble attention, j'ai la tension un peu haute, donc si je pétille un petit peu au niveau des yeux. J'ai déjà commencé à trier cette table d'activité. J'ai rangé tout dans l'armoire. Là, on a vraiment beaucoup de jeux d'activité. Et j'ai fait tout le côté ici, comme d'habitude. Tout le côté pour le café. J'ai remis les tasses qui étaient déjà sorties. Et là, maintenant, je dois donner un petit coup. Ici en fait, parce que là c'est un peu le bordel. Donc voilà, je vais donner un petit coup ici, je remets des capsules partout. Donc voilà, j'ai sorti le haché pour ce soir. On a donné à manger à Jacqueline. Elle devient vraiment énorme, je sais pas si vous la verrez, ouais, elle est là. Elle va bien. Attendez, parce que c'est pas facile. Hop, je vais dézoomer un petit peu, voilà. Voilà Jacqueline. Jacqueline, on lui a donné à manger. Tout à l'heure, on va faire une bouche. Voilà, je viens de mettre du spray partout ici. Sur les éviers, j'ai mis du spray dans le WC et j'ai mis du spray dans la douche. Donc ça va être rangé aussi. J'avais prévu un pull en laine pour ça aujourd'hui, mais c'est tombé, mes chaussettes pour le soir. Et mon petit pyjama. Donc voilà. Mais je vais être chaud, donc comme je ne pars pas, je me suis mis direct ensuite. Donc on va faire ça. Là pour l'instant, Je viens de lancer un sèche-linge et une machine. Les bacs de nouveau sont pleins quasiment. Et il reste encore un peu de linge ici à replier. J'ai déjà prévu un pyjama pour ce soir parce que je pense que je vais changer de pyjama sans certitude. On verra tantôt si j'ai envie de changer de pyjama ou pas. Donc voilà, voilà, ça se range tout doucement. On doit aller au bocaux en verre aussi. Pour ce midi, il reste de la chocolata, il reste des carbonates flamandes que mon chéri va finir. Il reste des pommes de terre et des pois et carottes et des champignons. J'ai sorti du hachis pour le souper de ce soir. Bon, là, je ferai une échalote, un peu d'ail pour faire ma sauce. Échalote, je fais de l'ail, du haché. Et je prends cette sauce-là parce que c'est la sauce à la napolitaine. Je trouve qu'elle est super bonne. Il n'y a pas de viande, rien du tout. C'est vraiment une sauce sans rien. Donc, moi, je rajoute de la viande et tout ça. Et puis après, je rajoute des petites épices. C'est très très bon. Et d'ailleurs, pour accompagner ça, je vais faire ma réserve de féculents. Oui, il y a pâtes, il y a vraiment une grosse réserve. On a refait la réserve quand on a fait les courses, hein, je vous avais montré. Dans mon retour de course, j'ai fait une grosse réserve pour les pâtes, le riz, etc. Donc voilà, je vais faire ces pâtes-là pour ce soir. Donc voilà, voilà. Du coup, Alessandro est réveillé. Il est là au bout, il joue avec une voiture et son chien électronique, là, qu'il aime bien. Sur le temps qu'on est en train de ranger cette maison. Donc voilà, voilà, j'ai rendez-vous chez le kiné demain et mercredi à 9h30 du matin. Ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, je me plains quasiment plus maintenant. J'ai encore une gêne, mais ça va, quoi. Du coup, c'est tout, c'est tout. Voilà, il n'y a rien de plus spécial, rien du tout. Voilà, voilà. Sinon... Bon, il n'y a rien de spécial. C'est cool. C'est cool ce matin, on range un bon coup, le grand Barbie vient de monter dans les chambres tout en haut, il est allé voir un petit peu comment ça allait dans la chambre des garçons, descendre de la châle, voilà des choses ainsi, et moi tantôt je montrais vérifier au niveau, oui bébé il est monté papa, je verrai au niveau du WC en haut, je vais faire un coup dans le WC, mais je dois acheter du produit pour le WC parce que j'ai plus de produit, il faut aussi qu'on ait fait la carte d'identité de Valentino. On a reçu le papier depuis un petit temps. J'ai juste caché le petit parce qu'il y a le nom de la ville. Mais voilà, en fait, on devait faire une photo d'identité. Et de l'autre côté, il y a le nom de mon fils, donc tatata Valentino. Et donc voilà, donc on doit aller chercher une photo d'identité qui rentre là-dedans. Et puis ensuite, on doit aller payer 24,70 €. Donc voilà, pour la carte d'identité, à partir de 12 ans, elle est obligatoire en Belgique. Valentino va avoir 13 ans, on n'en dit pas fait. Non, Valentino il a eu. On devait aller le chercher pour... avant le 21 février 2022. Mais ça ne nous sert pas à grand chose parce qu'en fait, nous on part pas. Ils ont 12 ans. Ils ne vont pas dans des camps, etc. On ne part pas en vacances, et si on part en vacances, on ne quitte pas notre pays, donc on ne passe pas de douane, on ne passe pas d'aéroport, rien du tout, donc ça devient un peu... Enfin, on s'en fout un petit peu, et puis même si on devait passer, je crois, la douane, on ferait un passeport. On ferait un passeport, pas une carte d'identité. Mais Vinicio a sa carte d'identité, donc on va faire celle de Valentino aussi, mais... c'est pas un truc hyper pressant. Moi, j'ai donné un coup de brosse en dessous, ici en bas. Je vais ramasser les tas de crasse. J'ai fait un coup de brosse parce que il y avait vraiment des gros trucs style des morceaux de papier. Il y avait on a fait du bricolage, on a fait du collage hier. Donc il y avait des papiers par terre, il y avait des lingettes parce qu'on essuie les mains, etc. Il y avait vraiment, c'était plutôt des gros trucs. Donc du coup j'ai passé d'abord un coup de brosse parce que mon aspirateur sinon elle va pas être contente. Donc voilà. Du coup on va s'atteler à continuer le rangement. Petit Lolo, il est tout calme là-bas. Il est là-bas, je pense que vous verrez sur sa chaise, il est tout calme. Il joue. Donc voilà, voilà. Et sinon j'espère tout à l'heure pouvoir aller faire... Il y a un peu de soleil qui se pointe, c'est bien, ça fait un peu du bien. J'espère pouvoir aller après-midi vite chercher les 2-3 choses qui me manquent. Il ne me manque pas grand-chose. Hein. Il me manque des bouteilles d'eau, du jus d'orange, quelques yogourts. Du chocolat Nutella des petites bouteilles LKZI et du produit pour les WC et du produit pour la vaisselle. Pas pour le lave-vaisselle parce que j'en ai pris, pour la vaisselle, du produit vaisselle. C'est tout ce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai oublié quand j'ai fait les grosses courses de 15 jours. Et tout ce qui est yogourt et tout ça, ça part... je vous l'ai dit, pour tout ce qui était soupé, c'est 15 jours. Sur et certains féculents, légumes, viande, ça c'est pour 15 jours. Tout ce qui est fromage, charcuterie, comme ça, on fait bien une dizaine de jours. Mais par contre, tout ce qui est yogourt, ça c'est mort, ça part très vite. Et j'ai oublié de prendre les bouteilles d'eau pour l'école. Les jus d'orange, on en avait pris 4 bouteilles, elles sont parties toutes les 4. 2 jus d'orange, 2 cranberry, elles sont parties toutes. Mais on a fait le Halloween, donc les enfants ont bu du jus d'orange ce jour-là. Enfin, du jus, sans frais, ils appellent ça. Et donc, tout ça est parti. Donc, ça, je dois absolument racheter ça absolument aujourd'hui. Et voilà, donc j'irai chez Aldi rechercher ça, parce qu'en fait je vais chez Aldi chercher ça simplement parce que chez Lidl, mon chéri a été pour aller chercher le café, le cappuccino, du pain qu'il avait repris, parce que ça c'est des choses qu'on ne prend pas chez Aldi. Et il avait regardé, mais il n'y avait pas de petites bouteilles comme ça ou LKZI. Il n'y en a que chez Aldi. Donc, du coup c'est pour ça que je vais aller chez Aldi les chercher. Donc voilà, je reste en jeu. Chercher ça tantôt, mais il ne faut pas grand chose, il ne faut pas des milliers et des milliers. Et sinon, c'est tout. C'est tout. Tantôt on va faire le vaccin, j'espère que ça va aller. J'espère que bébé va pas trop pleurer. Je sais pas. Et j'espère que je devrais plus reprendre d'antibiotiques parce que franchement ça me gaffe. Je vous reprends, il est 14 h. On a dîné. Ça se range, ça se range. Le grand barbu, un grand haut. Il est content de vous faire quelques petites choses. Moi, je viens de regarder la publicité de chez Aldi. Non, voilà. Du coup, j'ai rangé un petit peu encore la cuisine, etc. Je viens de reprendre ma tension parce que j'ai ma tension qui monte, qui descend. On a mangé à Jacqueline, elle est trop belle, Jacqueline. On a décidé qu'elle était trop belle, Jacqueline. Je cherche toujours, par contre, ma ramassette. J'ai toujours pas trouvé ma ramassette. Mais voilà, la cuisine, elle est pas mal. C'était bien fait là. J'ai refait tout ici complètement. Et j'ai rangé là. Je cherche toujours ma ramassette de la brosse, mais j'ai pas le restant. Voilà. J'ai fait tout ça. J'ai trié fruits et légumes. J'ai remis des fruits dans mon frigo pour pas être ennuyé. Au niveau de la buanderie, il s'est bien rangé aussi. Il reste le linge à la faire tourner. J'ai fait tous les appareils ici. Il reste ça. Il y a un lave-vaisselle qui tourne avec tout ce qu'il y avait dedans à tourner. J'ai fait la salle de bain. On a redescendu le linge à des enfants et une gourde. Des choses bizarres dans cette maison. Je pense qu'il y a un enfant qui s'était fait une gourde d'eau et de grenadine parce qu'il était pas bien. Donc j'ai replié du linge ici, là, il y a une machine qui sèche et une machine qui tourne. J'ai fait le WC, j'ai rangé ici. Donc voilà, je vais achever les pots qu'il y a à achever ici. Et puis voilà. Rien de bien concluant. De bien intéressant. Je vais donner un coup de brosse de ce côté-ci aussi. Et puis voilà, il va falloir aussi se faire la sauce pour ce soir pour les pâtes. Donc voilà, il y a 17 h, il faut aller chez le doc, vérifier, faire les vaccins des deux enfants. Regardez. Pour l'histoire des bactéries, voilà, je suis crevée moi en ce moment. Et je pense lui demander s'il n'a pas un petit truc à me prescrire pour me donner un petit coup de fouet parce qu'en ce moment, on meurt. Une crevette morte. Donc voilà. Donc du coup, je me demande si je ne vais pas essayer d'aller cette semaine, en tout cas demain, s'il y a moyen, aujourd'hui ou demain, à mon avis ce sera demain, aller chez Aldi. Donc on va essayer de voir ça. Du coup j'ai mangé chipolata, pommes de terre, pois carottes d'hier. Et mon chéri il a mangé carbonade flamande qui restait de chez ma maman. Champignons qui restaient de chez ma maman et les pommes de terre. Donc voilà, on a mangé les restes. On essaie de manger les restes le midi avec mon chéri. Et puis le soir on fera souper alors pour tout le monde. Donc voilà. Bah, ma table est toujours dégueulasse. J'ai beau la laver, je sais pas si ça sert à quelque chose. Donc voilà, on ne croit pas. Donc voilà, on a raconté le petit parce qu'il est un peu grigneux et on doit faire son vaccin. Ça fait déjà 2 fois qu'on le reporte, donc aujourd'hui je vais être obligée de le faire. Je ne peux pas reporter son vaccin 40 millions de fois. Mais ouais, il était un peu grigneux. Donc voilà, du coup à 17 h on va aller faire les vaccins et puis on sera tranquille. Tout le monde sera en ordre de vaccination comme ça. Au final j'ai mis ma croix, je l'ai quand même gardée, je l'ai mis là. Voilà. Je fais une petite déco toute simple. J'ai remonté une grosse partie des mantes, j'ai replié du linge, j'ai fait les trucs partout, j'ai rangé le salon, j'ai rangé la salle de jeu, comme ça. Voilà. C'est tout propre, c'est tout beau. Donc voilà, je ne sais toujours pas quand je garde la petite, en fait, j'ai rien compris. Donc ça c'est quand le grand barbus prend des organisations, je vous jure, parfois c'est complexe. C'est complexe. Du coup, rien de plus. Là il est 14 h. Donc on va voir ce qu'on va faire avec le grand barbu. Mais à mon avis aujourd'hui c'est plutôt ménage. Et les courses à mon avis sera demain en même temps que la kiné. Et puis lui il a rendez-vous. Donc à mon avis demain ça va encore une journée rendez-vous sur recherche phénoménale. Mais bon voilà, c'est comme ça jusqu'au mois de décembre. Et puis en janvier on aura encore un rendez-vous. Puis normalement ça va se stabiliser. Mais voilà, c'est des périodes fatigantes. Donc tout à l'heure, j'ai demandé au doc qui me donne un petit truc pour la fatigue et voir ce que les analyses urinaires tant que j'y suis et voir s'il a reçu des nouvelles du scanner du grand barbu. Je ne sais pas. Donc voilà. Du coup, j'attends que le grand barbu descende pour boire un café. Et puis ensuite, je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est 17 h 30, je suis en train de faire le souper. On a descendu toute la chale, regardez. La chale et la chale. Famille nombreuse. Hello! Donc voilà, je suis dans le noir du coup. On est allé chez le docteur, on a fait les vaccins. Et tout le monde va bien. Voilà, on a fait le vaccin d'Alessandro, le vaccin d'Angie. Oui, d'accord. Du coup, voilà. Je vais la mettre aux toilettes. T'avais déjà été avant du médecin pour toi. Voilà. Hop. Allez, vas-y. Donc, voilà. Du coup, il a eu un vaccin aux cuisses. Elle a eu un vaccin dans la jambe. Les enfants ont fait leurs devoirs. Elle avance. Les enfants ont fait leurs devoirs. Et du coup, les garçons sont disputés pendant qu'on était partis. Donc voilà. Là, on va souper, parce qu'il est 18 h. Et puis, il est 18 h, donc il est tard, donc on va souper. Et puis ensuite, allez, vas-y, avance. Et puis ensuite, demain, il faudra achever de ranger, c'est le bordel. Et puis ensuite, je suis désolée, je bouge beaucoup. Voilà, donc voilà, pour moi, en fait, il y a toujours la bactérie, elle est toujours là, elle est toujours présente, elle est toujours au-dessus de 1000, c'est une très très grosse bactérie, visiblement, ça ne s'arrange pas, et vas-y Angie, ça ne s'arrange pas, donc du coup, il me ressemble aujourd'hui soir ou demain pour avoir vraiment l'antibiogramme complet, et quand il aura l'antibiogramme complet, il me donnera le nom d'antibiotiques que je dois prendre, et j'en ai au moins pour 3 semaines d'antibiotiques, et puis je devrais de nouveau refaire un test. Donc voilà. Et du coup, il a prolongé le grand barbu jusqu'au 30 novembre, le temps qu'on revoie le chirurgien et que lui fasse le certificat définitif. Et voilà. Donc du coup, vous avez toujours eu cette aguette qu'elle a. Bon, je vais mettre Angie sur les toilettes. Et puis, je vous reprends. Bon voilà, je vous reprends. Elle est en train de faire pipi. J'ai fait cuire les pâtes au beurre là-dedans. Il y a une sauce bolognaise qui a été faite. Et là, j'ai pas de liquide vaisselle, donc je ne sais pas nettoyer mes boîtes en plastique. Donc je ferai ça demain quand je vais récupérer du liquide vaisselle. Je vais faire quelques courses demain parce qu'aujourd'hui, j'ai pas encore eu l'occasion, puis j'ai touché tardivement. Donc voilà. Donc du coup, moi, je vais vous abandonner ici. Vous avez eu toutes les nouvelles, donc c'est reparti pour 3 semaines d'antibiotiques. Et je n'en peux plus de ma vie. Donc voilà, donc du coup, je vous abandonne. Je vous laisse avec les images du souper. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Moi, je fais de gros bisous et on se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you want to be. Step 4.